Je dis à vous, pour démanteler Gravine. Ma banon m'a dit, mon amour. Coup de ça va tirer. Et n'est-ce que vous ne font pas? C'est là après. Il a mouru avec Zama la main. Vous ne font pas tout côté de pour démanteler Katia Maozo, ou bien qui a tiré des nègres, le mot sans joie pas lié. Je dis que Gravine a fait recrutement des jeunes garçons pour entrer dans la mer. Bagala arrive, il dépasse cette dimension de gang, oui, il y a un de la tout. Madame, monsieur, à Gravine, nous ne sommes pas capables de gang encore, non? Parce que actuellement, une structure, c'est une structure d'armée. Est-ce que là? Donc c'est guérilla. Et même je fac, donc en Colombie. Je dis à Jean, 400 ans, on fait là. On fait Tchadoui. Ah ben oui, on fait Tchadoui. C'est tout le président. Oui. Là. Ok? Maintenant, 400 ans, le mot sans jour. Ben, ça dépasse le niveau de gang. C'est là, mais n'est-ce pas là? C'est de petites armées. De petites armées. Qui bien équipées avec un pile d'armes, un pile munitions. Qui sont pas le faire pour déloger les gens. Ah ben, la guerre va le faire, oui. La guerre va le faire parce que vous avez délivré. Ça qui est là, madame, monsieur, pas comme ça. Donc comprenez bien. Donc deux matins, pas belle même. Donc Marie Saint-Une. Et comme je dis, bataille qu'on a gagné dans le secteur, qu'on a fait là, en face de l'église catholique, c'est bon bataille, petit. Parce que je dis à là, l'église catholique de situation, pour lui, renouveler tête. Et gagner dans le secteur, je dis à l'Ambéa, qui pas bâille l'église catholique sans ça dans le pays. Aïe, 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 nous avons une bataille. Allô, quoi. Haïti nous là, nous parce que c'est son petit pays. Haïti nous, on dit que j'ai mon lundi à quoi. Et puis c'est ça que pays. Et vrai. L'église catholique actuellement dans la situation pour renouveler tête dans le pays. Et que le secteur dans le pays qui va quitter l'église catholique, renouveler tête en Haïti. Mes batailles, attendez. Mes batailles. Donc bataille, ça j'aime dire nous, il dépasse donc tout à fait la politique. Affaire de président d'un gouvernement. Il dépassait tout ça. Eh bien, et pour finir sous ça là, et puisque nous parlons de ZAM, nous parlons d'insécurité, dans 49e, dans un député qui fait un travail, et monsieur écrit un livre, Vision d'un leader dopé. Il s'est acte parlementaire. Alors, Anel Belizeur. J'ai l'impression que c'est parce que monsieur était un bon OP qui fait monsieur était qu'à faire. Travail il était fait comme parlementaire sous question ZAM. Rentrer ZAM dans le pays. Et sous comment sous table comprendre question ZAM, comment il est entré dans le pays, eh bien, dans l'année 2010-2011, arrivé à nos jours, où mettre à chercher livre Vision d'un leader dopé et ses actes parlementaires écrit par Anel Belizeur. Député Anel Belizeur. Ok. Bon, nous parlons avec l'éditorial là. Est-ce que vous prenez pour verbe avant? Non, et vous mettez pas l'éditorial avant. Ok, très bien. Ok, nous parlons avec l'éditorial là, bien sûr, tu tournes pour verbe là. Et puis après ça, vous entrez dans le débat, discussion également, analyse, sur ça qui vient comme point pratiquement, donc sous table là, madame, monsieur. Donc pour ce mardi 27 avril 2021, jeudi, à 16 jours, tu jeunes, parle pas les causes pays. Alors, comme proverbe n'a pas vraiment un commentaire, on allait sur le proverbe là. On allait avec le proverbe là d'abord. Proverbe 28, verset 10, il dit comme ça. Le yon moun cherche à prendre tête yon homme sérieux. Le yon moun, m'a préparé. Le yon moun cherche à prendre tête yon homme sérieux pour faire ça qui mal. C'est lui-même qui apprend dans Pélin. Mais Moun Seguia va joindre bon récompense. Ma préponde. Oui, proverbe après maintenant tout. Proverbe 28, verset 10. Il dit comme ça. Le yon moun cherche pour tête yon moun sérieux pour faire le fait. Ça qui est mal, c'est lui-même qui prend un pèlin. Mais Moun Seguia va jouer une bonne récompense. Merci en pile, le permettez à tout donc pour faire blague pour ce mardi 27 avril 2021. Ok.
le corps groupe décidé à organiser nos élections. On a tout rentré avec eux. Et pour mes points qui sont là, qui dit Haïti politique, le corps groupe se dit très préoccupé de la situation en Haïti à travers une note datée du 26 avril 2021. À quoi peut-on s'attendre? Ok. Dans un communiqué en date du 26 avril 2021, le corps groupe exhorte toutes les parties prenantes à redoubler l'effort pour trouver un accord politique. À quelle fin? Aux fins d'organiser des élections dans un climat de sécurité propice. Est-il évident qu'un accord politique puisse résoudre le problème de l'insécurité que connaît le pays? Si oui, les acteurs politiques seraient-ils ceux qui tirent les ficelles des bandits armés? Que cache ce communiqué du corps groupe? S'il advient qu'un accord politique soit obtenu, les élections bonnes ou mauvaises se tiendront. Mais l'instauration de climat de sécurité ne dépendra-t-il pas d'un déploiement d'une force multinationale? C'est peut-être ce que nous réserve à la communauté internationale qui, coûte que coûte, veut l'organisation des élections crédibles ou pas pour en finir avec l'épisode du président Jovenel Moïse. Le corps groupe insiste sur la question. Il est irréfutable, souligne-t-il, que l'année 2021 permette aux Haïtiens d'exprimer leur volonté par la voie démocratique en exerçant leur droit de vote. Donc, la transition de rupture recherchée ou attendue par l'opposition politique n'est pas une option pour le corps groupe. Si, d'aventure, le président de la République, Jovenel Moïse, souhaitait rester au pouvoir au-delà du 7 février 2022, il ne le pourra pas. Le corps groupe se fait du souci pour nous. Les protagonistes qui aiment tant ce pays éviteront-ils de le décevoir? Robinson d'Haïti, notre éditorialiste à l'émission Matin Débat, je rappelle, et ou capable de parler avec Robinson d'Haïti et sur 31 55 43 25 ou capable de faire contact avec Robinson d'Haïti si vous souhaitez faire commenter avec lui. Donc sous éditorial émission Matin. Il y a des gens qui croient que barbecue, je dis, ils sont victimes de la police. Parce que phénomène barbecue, pour certains, en fait également pour la vérité, il commençait suite à une intervention. Ou du moins, il prend des sens suite à une intervention de la police dans Grand Ravine, dans l'école côté, c'est l'école Maranatha. Et si j'ai bonne mémoire, et c'est là l'équipe qui était avec barbecue, t'as pas pris en otage par des bandits. Et t'as deux policiers qui mourent, qui prennent balle. Et barbecue te dit lui-même, c'est pas ça que t'apprends à l'académie, pas qu'à quitter le cadavre à terre. Et ça, il va apprendre. Il était pas là, monsieur. Et monsieur, quand pas avec, il retourne. Il s'est allé chercher le cadavre policier. Et c'est depuis là, ça, qu'on projecteur lui-même sur barbecue. Bien entendu, au niveau de la police nationale d'Haïti, il n'a pas été défendu. Mais, organisation de droits humains, carnage qui était fait là. Massacre qui était fait là, il était mettel sur dos barbecue et depuis là ça on voit que monsieur a pris une bonne position jusqu'à ce que ligon étiquette officielle de bandits de criminels. Maintenant, est-ce qu'on pense aujourd'hui en tout et j'en dis là dans la création de la création de cette coalition en 2020, rien n'a été fait paraît-il pour permettre à d'autres groupes armés de s'intégrer à la fédération dont la mission est de lutter contre la criminalité dans les ghettos. Quel est aujourd'hui l'avenir de ce réseau de paix? Oui, avant d'arriver sur l'avenir du réseau de Pétard, d'ailleurs, Genève, en famille alliée, on a aussi là qui intéressait ma pile et cette question que M. Barbecue sont victimes c'est de une, la C'est une victime de l'institution, de la police. Victime institutionnelle que lui. Alors, c'est plus d'un qui dit à partir de l'intervention grave, ça, oui. Non, sauf que moi-même, M. Barbecue, c'est pas bon, beaucoup, peut-être une occasion et pas la veille, faire des entrevues avec elle. Son monde que vous lisez qu'on est et par le biais de quelques articles de presse, évidemment. Mm-hmm. Mais vous voyez qui est fondamental et soit cette victime-là, parce que nous pas qu'à dire si M. Barbecue sont victimes de la PNH, victimes de la société ou pas. Nous pas prêter là, pour une raison bien simple. Parce que dans le système pénal même, et nous connaissons, des fois il y a une victime en côté, bon bagaille et justice réparatrice. C'est-à-dire que nous avons une réparation. Que, en fait, pour tout tort que
victime là subit bien évidemment parce que victime là c'est vital, victime là il a des besoins en matière de justice. De toute la façon il est de toute la façon il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, ça c'est clair. Ils sont bandits, ils sont criminels. Il est ce qu'il est, oui. Bien sûr. Mais si, par exemple, M. Barbecue était victime, effectivement, de la PNH, et que lui anticiper, lui juger, évidemment, que il n'est pas cage de justice, et que fait tête lui justice, il faut comprendre aujourd'hui que M. Barbecue s'enfonce dans la merde. Parce que là, le fait que pas de justice là, il fait tête les justice, et je vais vous dire, ouais, il est impliqué dans bonne bagaille de création de Genève familiale. Il est son ancien policier, faut pas oublier ça. Donc, et victime, l'homme ou une victime, on va faire un côté, au fond bagage et au besoin de réparation. Tout le monde qui est victime besoin de réparation. Tout le monde qui est victime a besoin en matière de justice. Et il se trouve que M. Barbecue, par exemple, ça fait justice. Vous voyez, il était simplement fait être justice. Parce que nous tous, en pile, dans nous, c'est victime. L'un a dit, M. Barbecue, c'est victime. Et quand pile. Et puis, il y a kidnappé, qui besoin de justice là. Il y a tant de justice. Eh bien. M. Barbecue, pas tant de justice, il a chassé justice. Eh bien. Alors, bien entendu. Bien entendu, je dis, un monde qui a garder et ça qui a privé dans le pays à question kidnapping criminalité on pourrait en partie c'est des jeunes je dis à qui c'est acteur principal yo gna dedans tout c'est manipulé que manipulé des monde qui baillent des âmes et vulnérabilité vient faire que je dis à yon entrer dans des pratiques criminelles mais yon criminel quand même rete yon criminel mais nan mi tan nèg sa ou la ka opérer là on prend le cas de nèg tan coup par exemple Piska. Et Livin Jodi a chef de gang, c'est parce que lui assisté à chaque moment le mettre dans bouette à la belle. Et au bon système de justice Jodi qui est très faible, qui est cité à la justice. OK, ouais, mais ça pas des douanes, ça écoutez. Est-ce que tu as dit que l'obligé vient Attendez. Ça pas des douanes. OK? Pour Jodi, ils sont criminels. Tu as pas des douanes de ça. Parce que lié ça lié à là parce que là que ou bien tête ou justice, mais son action criminelle qu'on fait. Et automatiquement, son action criminelle, c'est vrai que ou bien tête ou justice, mais ou vient un criminel, ou son criminel, il n'y a pas l'autre bagaille. Et ça, moi, c'est que, pas tant de débat ça sous lui, dans le pays, pas tant de débat. Parce que vous avez dit, ou fait ça qui n'est pas clair, ça qui n'est pas d'autre dans le pays, ou paye le. Mais, regarde un système de justice qui est très faible. C'est même gens, je dis à quelqu'un qui n'est pas prendre ça. Mais quelqu'un a un un bon tribunal, un bon pied-bois, et puis qui avocat en dehors, qui ont biffé mon nom, et puis il fait jugement lui-même, il a dit, mais il levait mon nom dans le cimetière. Il levait mon nom dans le cimetière, et puis il a dit, matin, il a mené devant le pied-bois, et puis il fait jugement. S'il a tout lui. Donc c'est pour nous dire que, mais ça nous vient là comme pays, en fait. Mais il est clair que je dis, pas qu'on est qui dans la gang, pour ce n'est pas criminel, lui. C'est vrai que, pour qu'on dise qu'on est victime, ils attaquent ou attaquent, c'est légitime défense, ou pas protéger, mais et toute action qu'on pose, c'est des actions criminelles, il parle d'autre bagaille. Il parle d'autre bagaille. Alors, le code désir est sacré hier là, et côté M. Barbecue prend balle là, et les femmes passent en pile, et parce que je me sens une création fédération, ça a eu les G9. En famille alliée, nous songeons que c'était une structure qui était là pour combattre la criminalité dans le ghetto. Et ça, c'est extrêmement important. Mm-hmm. Et si son fédération est liée au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, je me demande pour qui ça, une bonne gangue a boumé une à l'autre. Est-ce que pendant tout le temps, pendant tout un an, ça passé, parce que le programme prenait ça en 2020, mais pendant tout le temps, ça, est-ce que pas de travail qui était fait et par M. Barbecue et tout le monde qui est responsable, parce que M. Barbecue, nous connaissons pas de parole là, mais c'est au lieu de dirigeant et G9 en famille alliée. Est-ce que pas de travail qui était fait pour permettre à d'autres groupes de gangs intégrer Fédération là, puisque Fédération là, moi-même m'appelle, on va dire que Fédération Gangsta, lui a produit des réflexions pour permettre que nous combattions l'insécurité en Haïti, pour combattre la criminalité. Mais si c'est vrai, parce que l'État qui le fait, parce que nous-mêmes, population, nous obligés à accepter, parce que l'État qui fait gagner, c'est vrai. Et si Fédération ça fait, c'est-à-dire que
il y a aval l'État, même de façon tacite, il y a aval l'État, parce que l'État n'est pas comme ça, le ministère de la Justice, parce que par exemple, c'est M. Babicou qui a un avis de recherche, même si son avis de recherche, évidemment, qui paraît en bloc, mais un avis de recherche. Et M. Babicou évolue normalement dans le pays. En songe, ça s'est arrivé, par exemple, avec le cas, l'assassinat de Mademoiselle Evelyne Sincère. On lui a dit non, M. Babicou la donne. M. Babicou a le monde qui possiblement est responsable d'Aclan, il pote le nom commissariat, et M. Babicou n'a pas été arrêté. Donc, M. Babicou, quelque part, son monde particulier, son monde qui a fonctionné normalement. Donc, fédération, quelque part, l'idée rendre service à la population, c'est-à-dire combattre l'insécurité, combattre la criminalité, mais pour que ça, je ne veux dire, nous être des gangs à boumer d'une à l'autre. Mais le combat qui est fondamental, fédération gang, ça oui, les G9 en famille alliée, sont fédérations qui déclarent tout le monde qu'on est. Mais est-ce que pas qu'il y a d'autres fédérations non déclarées, mais qui a fonctionné sous chapeau, sous le chapeau. Ouais, c'est clair. Des camps politiques, chaque camp politique a viré fédération par eux, même s'il va déclarer. C'est ça qui vient là que fait M. Barbecue. Alors, pas seulement les acteurs politiques, il y a également donc et certains commerçants de la place. Certains commerçants, bien sûr. Parce que je veux dire, depuis qu'il y a un commerçant, bah, là, écoutez, comment on a fait un business ici des soleils. Monsieur, à ce propos, nous sommes un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Il y a toujours la radio, un petit dit, et lui-même, il n'est pas en affaire avec chef gang, il n'est pas en affaire bandit. Il est simplement créé un périmètre de sympathie. C'est-à-dire composé avec les bandits pour que les musiciens soient toujours là. C'est-à-dire que grand pile dans nous là, qui a géré la fédération de gang, nous. Et monsieur Toufé, gang, ça y est, il y a pour moi. Maintenant, qui va pour nous aller? On a le parrain. C'est-à-dire que les gens qui parrainent gang Zao, ils ont vraiment besoin d'aider à la paix. Donc nous allons côté parrain, parce que gang yo, ils ont fédéré, ils ont mis tête ensemble. Qu'on a que parrain, ils ont mis tête ensemble. Eh bien. Donc, à quoi peut-on s'attendre? Parce que je dis, barbecue l'hôpital, bon, l'aime de l'hôpital privé, la caillonne et Mme Genefio, la prend soin avec le docteur Privéli, avec infirmière Privéli. Et monsieur prend balle dans le thorax. Pas grand deal, pas grave. Nous pas garder avis médical avec le docteur Francis Dion. À qui ça nous attend nous? Est-ce que là, comme la police a un mandat contre barbecue, est-ce que service secret, la police a bien renseigné, la police a pas cherché qu'on est côté barbecue et puis plus tard, tout à l'arrêté? Alors, ce qui est exceptionnel dans la bagaille, ça, et d'ailleurs, moi, je dis le texte là, et ma police là, côté nous dit la mort de criminels qui pressent la paix est inquiétante. C'est ça nous gagnons ici là. Nous gagnons des criminels, des gens qui ont fait crime au jour le jour et qui ont prêché la paix. Et sans oublier que slogan, à son tour d'activité populaire, moi et tout. Et comment continuer aujourd'hui à nous capables de sauver? Nous avons des criminels dédiés à la paix. C'est des criminels qui veulent la paix. Mais pas oublier, moi et tout. Et je ne veux dire, il y a un moyen presque mortellement barbecue. Est-ce que nous ne devons pas attendre nous à d'autres affrontements entre ces bonnes rivales? Très bien. Voilà. Très bien. Merci en pile, M. Robinson d'Haïti. Merci en pile. Merci infiniment, le co-désir. À demain, matin débat. Merci en pile. Ok, voilà. C'est là donc Robinson d'Haïti pour l'éditorial de ce jeudi 13 mai 2021. Je rappelle que les éditoriaux de Matin Débat, c'est la pensée même donc de l'émission Matin Débat, où qu'a toujours été en contact avec M. d'Haïti, et au 31 55 43 25. Ok, donc là, fait le plaisir pour le capable d'échanger avant et sur différents éditoriaux qui passaient donc dans l'émission Matin Débat, en particulier donc l'éditorial de ce jeudi 13 mai 2021. Ok, on garde des points hein, qui pratiquement sous table là. Nous allons parler avec Baron Laos sous informations alliées. Parce que nous avons un matin débat. Et Gampil Moun Captain. Gampil Moun Captain Matin Débat. D'ailleurs, et l'information la circulé sur les réseaux sociaux. Et bien Gampil Moun Captain Matin Débat. Donc pour vérité, que Mbassé nous prend le soin, le temps pour nous toujours faire à chaque fois que nous arrivons dans une situation pareille. Haïti Insécurité, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Touché par balle lors des affrontements du mercredi 12 mai 2021 à Cité Soleil, Mayen Yon, Mayen Tout,
À quoi peut-on s'attendre? L'information qu'ils alliés. L'information, c'est que Cité Soleil gagne Gabriel gagne Iska. Gabriel lui-même n'est pas entré dans Genève, il n'est pas fait partie de Genève. Mais Iska fait partie de Genève. Gon bataille qu'il a en permanence entre Iska avec Gabriel. C'est deux, c'est l'état citron. Iska gagne territoire pâle. Gabriel gagne territoire pâle. Et Iska, c'est bon ami, donc barbecue. Donc Iska, c'est membre du Genève. La MC, c'est un général neuf dans Genève là. Il y a un général. Rappelez que G9, c'est pratiquement 9 gangs pour 9 chefs de gang. Ok, c'est allié. Donc Iska, c'est un chef yo, avec barbecue. Et dans la zone bâtiment à Syrie d'Haïti, zone ça là, c'est territoire Cité Soleil que lié. Eh bien, barbecue lui-même pour le contrôle de la zone ça, il met un chef dans la zone là qui est Israël. Et c'est chef ça qui s'entendit. Et c'est chef ça qui gagne contrôle territoire ça. Eh bien, l'équipe de Gabriel question ça, li pa ka nan Cité Soleil, espace ça c'est territoire pâle pour quitter pour Genève pour barbecue vin ap imposer un chef sur territoire pâle lui-même. Et mais ça connait bataille là, il depuis mardi là, mardi avec mercredi. Non mardi. Équipe Genève yo mangé deux nègre, moun yo parle trop fort devant là. OK, nous parle trop fort et devant nous parle trop fort, OK? Elle dit que non mardi. Monsieur Genève yo. Et attaquer. Monsieur Gabriel yo. Et qu'il y a deux soldats de Gabriel qui mouri, non mardi. Qu'on y a un mercredi. Gabriel dit pas comme ça. Et puis l'équipe là attaqué Israël. Gain deux soldats donc barbecue qui tombé, qui mourit. Te gon Mirai nèg te fait. Monsieur Gabriel le débarqué, il écrase Mirai ça, donc il reprend contrôle territoire et puis dans échange et puis barbecue prend balle. Est-ce que vous comprenez là bien? Est-ce que vous comprenez là bien matin tout? Mais tout ça n'a pas l'air là, pas qu'à faire bailler la police. Elle dit, Bouama, écoute, ça m'a tiré. Mouna mouri là, pas qu'à faire la police. Quand il y a Israël qui a un problème, il m'a des renforts. Et puis, Babi, écoute, débarquer là, il y a monsieur renfort. Et puis, c'est nous débarquer à monsieur Prembal. Et je dis à là, monsieur, on côté, monsieur Lakayoun, un nègre Genève, monsieur apprend soin. On nous fait parler avec Brown Laose, et puis ensuite, nous allons parler avec le docteur Francignon. Pour avis médical là, parce que monsieur prend balle dans le thorax. Dans qui état barbecue de toute façon monsieur beaucoup bon. OK mon cabine donc façon ou besoin opération. OK bon, on va venir on va